Ce bruit, vous devrez répondre. C'est clair? Oui. Fait que je lis la carte. C'est pour tout le monde? Qu'est-ce que... Attends, comment... Ouais, regarde, je vais lire ce que j'ai ici. Christian? Oui. Tu dois donner le nom de la personne à qui va la question de parole. Je vais commencer par Vicky. Oui. Je peux lire? Okay, un instant. OK. C'est les instructions que tu vas lire? Oui. D'accord. Invité, je vais vous poser des questions à tour de rôle. Vous avez 10 secondes pour répondre. Si vous donnez la bonne réponse, vous viendrez prendre le bat et vous vous en servirez pour détruire le lapin de la personne de votre choix. Je déciderai de la personne à qui je poserai la première question. Ensuite, je suivrai l'ordre dans lequel vous êtes placé. Lorsque vos 3 lapins sont détruits, vous êtes éliminé. La personne qui sera la dernière à avoir au moins un lapin intact sera le nouveau numéro 1. Y a-t-il des questions? Non, c'est clair. Vous avez 10 secondes pour répondre, puis me demander, lorsque vous utiliserez le bat, de ne pas le frapper comme ça, mais plutôt comme ça, pour ne pas briser les lapins des autres. Ouais. Okay. Quand tu brises un lapin, tu ne peux pas en briser deux, là. Et tu frappes comme ça. Je pense qu'on va ramasser pareil. Toi aussi, moi. C'est clair pour tout le monde? Oui. Tout à fait. Christian, tu peux commencer. Une forme à 3 côtés est un triangle. Une forme à 4 côtés est un rectangle. Comment appelle-t-on une forme à 5 côtés? Je tombe bien fait.